Un tournoi résiste à l'e-sport français depuis plus de 10 ans. Un tournoi légendaire dans une salle qu'on appelle la cathédrale. 10 ans. 10 ans que cette croisade est menée par un homme en particulier. 9 participations, 3 podiums, 2 finales perdues. Et il y retourne. Sa détermination et sa résilience forcent admiration. Mais les résultats ne suivent pas. À un tel point qu'on commence à parler d'une véritable malédiction. Combien de temps l'esprit humain peut-il supporter un tel acharnement? Combien d'échecs un homme peut-il endurer avant de craquer? Pour vous, je ne sais pas. Pour Apex, capitaine de l'équipe Vitality, je peux vous assurer que cette limite n'est absolument pas atteinte, loin de là. Même après 9 ans, même avec une carrière digne des plus grands, tant qu'il n'a pas brisé sa malédiction dans l'un des plus grands tournois e-sport du monde, tant qu'il n'a pas dompté la cathédrale de Counter-Strike, il y retournera encore, encore et encore. On va voir deux protagonistes dans cette histoire, et il faut que je vous donne un peu de contexte sur le premier. Apex est le joueur e-sport français qui a la plus grande longévité. 15 ans qu'il est le joueur pro, et à 30 ans, il est toujours au sommet. Il a littéralement passé la moitié de sa vie à écumer toutes les LAN du monde, en commençant dans des gymnases douteux, pour finir dans les plus grandes salles de la planète. Il a fait partie des meilleurs joueurs du monde, ultra agressif, le zinzin qui passe en premier, avec le caractère qui va avec. Apex est un major remporté sur Counter-Strike en 2015, deux fois dans les 20 meilleurs joueurs du monde, et surtout, chaque année, Apex a remporté un ou des gros tournois sur Counter-Strike. Et pour assurer sa longévité, il a pris un tournant où honnêtement, personne n'aurait misé sur lui. Capitaine. Le capitaine dans Counter-Strike, c'est le shot caller, l'élément central d'une équipe. Et ce gros fou furieux qui était Apex est devenu l'un des capitaines les plus accomplis du monde. Il a gardé sa folie, mais aussi son deuxième trait de caractère qui a fait son succès, sa résilience. Le mec bosse matin, midi, soir, il se lève, il se lave, il mange et dort Counter-Strike. À 31 ans, sa carrière se rapproche inexorablement de la fin. Sauf qu'il lui reste quelques succès, quelques missions à accomplir avant de raccrocher la souris. Deux missions en vérité. La première, c'est évident, c'est de finir en beauté. Dans le sens où il lui manque quelques titres. Déjà, d'autres majors, car ça reste le graal de tous les joueurs de Counter-Strike. Plus vous en gagnez, plus vous vous hissez au statut de légende. Mais surtout, il lui manque deux autres tournois emblématiques dans sa carrière. Des piliers de l'écosystème compétitif de Counter-Strike. Katowice en Pologne, et surtout, Cologne. Cologne, c'est le rendez-vous. Si vous devez aller voir un jour un tournoi de Counter-Strike, même un tournoi e-sport, allez à Cologne, dans la cathédrale. C'est comme ça qu'on surnomme la salle. Et là où les majors changent chaque année avec des éditions plus ou moins hype, Cologne, c'est la constante de Counter-Strike, intemporelle et absolue. Et la deuxième mission d'Apex concerne le deuxième protagoniste de notre histoire. Apex, depuis 2018, il joue avec Mathieu. Apex, quand il est passé capitaine, est devenu le capitaine de Mathieu. Et Mathieu, c'est le meilleur joueur du monde. C'est en 5 années professionnelles, 3 fois numéro 1, 2 fois numéro 2. C'est du jamais vu dans le monde de Counter-Strike, c'est du jamais vu dans l'e-sport français, c'est Ziwo. Individuellement, il est déjà l'un des plus grands joueurs du monde et finira sûrement comme le GOAT absolu de Counter-Strike. Sauf que collectivement, même si sa vitrine de trophées est déjà bien remplie et ferait rêver n'importe quel pro, Ziwo n'est pas n'importe quel pro de Counter-Strike. Ziwo doit tout gagner en quantité. Ziwo doit faire ce qui n'a jamais été fait dans le monde de Counter-Strike. Ziwo doit se hisser tellement haut qu'il ne sera pas atteignable avant des années, c'est ça le palmarès qu'il doit viser. Un peu à l'image de Faker sur League of Legends. Et donc, la deuxième mission d'Apex, c'est d'accompagner ça. De mener Ziwo et leur équipe Vitality au sommet du monde, puis tout gagner. Et ça se passe pas vraiment comme prévu. Très souvent, trop souvent, l'équipe Vitality est forte, mais ne gagne pas de Major, pas de Katowice et pas de Cologne. Donc pas les tournois les plus importants de Counter-Strike. Il faudra 4 ans à Vitality pour enfin aligner une équipe capable de remporter un de ses titres à Paris en 2023. Team Vitality! C'était long, trop long, mais c'est arrivé. Enfin, Ziwo remporte un Major. Apex lui prend son deuxième, mais c'est loin d'être suffisant. Surtout vu l'équipe taillée pour gagner et l'investissement de Vitality. À ce moment-là, on se dit que c'est la saison des abeilles et le début de la moisson des trophées. Vita, après sa victoire, se permet même le luxe de changer du pré. Une gigastar danoise, le mec le plus titré de Counter-Strike, mais sur le déclin. Pour le remplacer par Flamzy, un talent en pleine expansion. Un changement audacieux, mais qui va payer à terme. Sauf que le premier tournoi de Flamzy sous les couleurs de Vitality, c'est Cologne 2023. Vitality, they need a lifeline. Apex, helpless, and it's done. It's replicate.
C'était un peu tôt. Ça annonce du bon, mais pour cette fois, Vitality devra se contenter de la demi-finale et de la troisième place, même si ça reste encore un échec. Mais l'équipe est folle, on a le meilleur joueur du monde, Ziwo, l'un des meilleurs capitaines du monde, Apex, deux joueurs en train d'exploser individuellement, Spinks et Flamzy, et le meilleur fixe du monde, Magisk. Légende de la plus grande équipe ayant jamais joué à Counter-Strike, dont je vous parlerai un jour, Astralis. Magisk, c'est un fixe. C'est le mec qui, quoi qu'il arrive sur la carte, ne bougera pas. Il a une zone à défendre et il la défendra coûte que coûte. Qu'il y ait un mec, deux mecs ou plus qui arrivent, il fera face. C'est un rôle difficile, ingrat, mais absolument nécessaire. Et Magisk, c'est le meilleur. It's the push, it's got to be successful in the fragging department, and the spray through the smoke is even better than that. Magisk dropping the bomb and finishing off the round here for Astralis. That's what the monster, but he's still pushing up, and this player's running with the knives out, they have no idea, and Magisk with three deeks! Shock is going to round that corner, ready for it, Magisk still with one and two, and with a couple other players, oh. Magisk lights him up! Four kills! L'équipe gagne le Gamer 8. On sent que le changement est en train de payer. Vitality est au max, cette fois-ci c'est bon, on veut voir l'équipe continuer d'empiler les titres. Sauf que non. Magisk a une proposition de Falcon, club saoudien aux moyens démesurés. Et Vitality refuse de s'aligner sur l'offre. Et quand je vous disais que Magisk était le meilleur à son poste, c'est pas une blague, il apporte en plus une énergie, de l'expérience, bref, tu peux pas vraiment trouver un bon remplaçant à un mec comme ça. Et Vitality va faire un choix surprenant. Un Anglais en difficulté depuis plusieurs années, Mezzy. On souffle un peu du nez. Passer de Magisk à Mezzy, sur le papier, c'est une énorme régression. Sauf que le début se passe bien, on a quand même un quatuor et un cadre de monstres. Mezzy semble réussir à trouver sa place et Vitality gagne les deux premiers tournois avec l'Anglais. L'équipe est vraiment forte dans cette fin d'année 2023. Et ça tombe bien, car il y a deux rendez-vous dans ce début d'année 2024. Katowice, un tournoi qu'il manque à Apex et Ziwo. Puis le premier major depuis la victoire de Vitality à Paris, à Copenhague. Et à Copenhague, Vitality pourrait être la quatrième équipe de l'histoire à remporter deux majors d'affilée et défendre son titre. C'est une énorme marche à gravir pour Ziwo, pour continuer de se hisser dans les cercles ultra fermés des stars et des légendes de Counter-Strike. Sauf que Katowice est un échec total. Et Vitality, ils ont seulement deux joueurs restés. Ça doit être un step up maintenant de l'homme lui-même. Ziwo essaie de rester vivant et il ne peut pas le faire. Le world number one are out in groups. No more Vitality, no more Ziwo. And the curse in Katowice still stands. Yeah, it's a massive blemish. Et l'histoire s'arrêtera en demi-finale à Copenhague. We get the climb over top and a clean headshot, but Rain always stoic. And if you let your guard down, if you do that, you'll die. Look at it! Bask in the glory of the FaZe Clan, the founding fathers of CS2, signed Vitality's death certificate. C'est pas catastrophique comme résultat, mais à ce niveau-là, il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment, la victoire. Et c'est encore deux rendez-vous manqués avec l'histoire pour Ziwo et Apex. Ces deux opportunités ratées, il y en aura d'autres, mais elles se feront de moins en moins nombreuses, encore plus avec ces deux-là ensemble. Vitality après enchaîne sur deux autres gros tournois. Moins emblématiques certes, mais quand même importants dans le circuit. Ils vont donc jouer la Pro League et Dallas, où ils perdent pour les deux tournois en finale. Ils enchaînent même avec un troisième, un tournoi Blast, important également, où ils perdent encore une fois en demi. Et ils termineront la mi-saison sur la World Cup avec un décevant quart de finale. Vitality est une des meilleures équipes du monde de 2024. Quasi systématiquement sur les podiums, même dans deux finales, mais sans victoire. Et encore une fois, en ayant manqué les deux grands rendez-vous que sont le Major et Katowice. Pour une bonne équipe de Counter-Strike, ça serait une excellente année. Pour Vitality, quant à Ziwo et sa légende à construire, parmi les meilleurs jeunes talents du monde avec Spinks et Flamzy, et les dernières années d'une légende déjà bien établie comme Apex, c'est juste décevant. Et c'est Mezzy qui va catalyser les critiques. Il fournit certes des performances moyennes, mais il devient totalement le bouc émissaire de tous les fans. Et ça continue de s'écrouler. Spinks, meilleur joueur de l'équipe derrière Ziwo, profite de cette mi-saison pour explorer ses options. À quelle heure, quand on joue avec le meilleur joueur du monde, on cherche à quitter l'équipe? C'est pas un red flag là, c'est terrifiant. Et on se pose même la question si Vitality a pas explosé sous les échecs. Est-ce que c'est une équipe déjà morte? Il reste pourtant deux grands rendez-vous dans cette fin d'année, Cologne et le Major de Shanghai. Est-ce qu'on va devoir supporter une équipe encore en plein remaniement? Vous vous rappelez quand je vous parlais de la résilience d'Apex? Quand je vous parlais de sa capacité à affronter les échecs?
La seule info que j'ai à vous donner, c'est que Spinks n'a pas changé d'équipe, que Vitality conserve le même roster et que le 7 août 2024 commence les UM Cologne. So the Cyborg can succeed, and that is exactly what Cyborg will do. It's a couple of kills, makes up four, and Cyborg just shuts down the entire setup. Cyborg's first round at Cologne is an ace in the pistol round. La bonne nouvelle, c'est que Vitality ouvre son tournoi contre Furia, une équipe brésilienne sur le papier beaucoup moins forte qu'eux. Still this fight for Banana going on, and Cello gets traded, and again, it's Flames biting back his countrymen inside of Banana. Spinks will hold it, and Vitality come through their opening map. In this round, it's Spinks and Zywoo having to fight back, and that is just so unstoppable. Oh, he's gonna molly him out as well. And now Skulls is forced into the open, Spinks following up. Tilda steps, now he knows they're both here, and Spinks separates it into the 1v1, Spinks sharpening his sword as they come around the side, he slices them back, and it is Vitality. This is gonna be a really hard like match review for Furia after this, because it's like, you can talk all you want about strategies, oh. Yeah, there's some mistakes you can pick up on, but on some level, it's simply just Vitality individuals outplaying and out-aiming and out-fighting them everywhere they go. Fallen, the last remaining member, Apex is in the perfect position to close, and today the V is absolutely for victory. Vitality come into the opening day of Cologne. 13-3 puis 13-2, les Brésiliens inscrivent que 5 ridicules rounds. Ça annonce du bon, mais faut directement enchaîner avec FaZe. J'ai souvent cité Apex comme l'un des plus grands capitaines de Counter-Strike. Et s'il n'est pas le plus grand capitaine en activité, c'est probablement à cause de ce mec, Karrigan. Il mène FaZe, une équipe de stars, c'est le Real Madrid de Counter-Strike. Et dans ce BO3, FaZe commencera sur sa carte Inferno sur laquelle il domine en boucle Vitality en 2024. Here comes the waterfall. Yeah, Rain's gonna be the front man, but it's actually gonna be a one and done from Spinks. His partner in crime gets empty, completely empty-handed there. Mezzy and Spinks fall in the A site. Probably a good call. Is there more? No, there isn't. Apex throws the flash. Flames is in. Flames is in. He nearly gets out. Flames in the smoke. It's chaos, but Broky hits the shot. Oh, Rain, it's another. Good God, I think they've turned it around. Bomb site. Mezzy coming in first. Barrel spotted. Broky knows. He executes it. And now the last to fall. That is miraculous. 35 seconds on the clock. Bomb committed apartments. This will be A. Holding the angle, puts Flames on 1 HP, Rain, Robs combined to defend the site, Apex is low, Rain can do this, Broky there, and it's lovely from FaZe Clan. Bon, comme prévu, il faut donc que Vita tienne le choc sur Dust 2, leur propre carte. He needs help, he needs backup, but instead he loses his head. Frozen, however, has found contributions on the cross, those are hard shots. He's hit two of them. Oh, he's only frozen, can he do more? Oh, Flames! Oh, the mind games, as it's onto the 1v1, Zywoo can have it, no bullets, it's Broky! Give Flames, what have you got? Another one! Robs finally brings him down, but it will be a 2-on-2, and it's uncomfortable. Broky, they know where you are, he's just hiding in the smoke as the bomb goes down, running at Apex, he overspammed his hand, and now Zywoo's getting chipped away at as well! FaZe, secure the overtime! Vitality loupe 2 balles de carte et laisse FaZe arracher la prolongation. Cette fois-ci, les abeilles vont devoir relever la tête et montrer qu'ils sont bien présents face à FaZe en overtime. Nice shot onto Robs, finishes him off. It's up to Broky. Can he redeem himself here? Can he give FaZe something to work with into the second half of OT? Spinks and Apex goes for the Hail Mary. The no-scope does not connect. He's good on the Tech 9 though, but Apex just whittling away. 12 HP, Broky goes down and it's spotless from Vitality's CT side. Keeping him moving by the looks of things. Go mid. Ooh, missed the smoke. Frozen, gonna get swung on. Yeah, ooh, jump scare, just as easy as that. What is this call? Oh, Vitality, bulldoze the composition. Completely broken. Karrigan left alone. Zywoo can finish him off with anything. Karrigan running and gunning, and we are off to Anubis. On s'est fait très très peur côté Vitality, mais ils sont là. Le BO3 se jouera donc sur la dernière carte, Anubis. Smoke stairs, limits his options, starts to spam. Rob's not gonna overcommit here. Broky on an elevated angle, using those steps to try and isolate the duel, and Spinks is the one to hit it. Gave him a chance. He did. And Spinks will take that. Spotted on the cross. Good awareness from Robs. That's his first 3 frags, and it's round defining. Mezzy hunting him. And Mezzy delivers for Vitality. From main, Apex well aware of that possibility. The HE will soften him up. Peeks in, anticipating. Oh, they're so low. They are so low, but so is the time.
He has to go. Now or never. Tries the transfer. Needs to get on that bomb. It's not perfectly planted. Time sensitive. Mezzi swings. What's the time? Oh, yeah. A little too shy. Vitality fight back. Mezzi's overlooked this potential crouch walk, and now we're talking, now we're cooking. Brokey, this would be huge. Can he secure it for FaZe? Bomb planted. Flames versus Brokey. X-Taz not gonna blink. And it's all good in the Vitality Hood, saved by Flames. Spinks punching in the code. Tagged down, that M4 one-shot headshot looks more likely now, but not if Flames hits everything. It's up to Rops. A tough map, two good maps, but can he redeem himself here? A one-on-one to extend play. Up against Spinks, health the kid. Battle of wits, and Spinks has managed to get himself all the way down, tucked into cave. It's a ballsy call. Rops won't understand it. Hello! He's just brought the fight to him! Disbelief! And there's Vitality, they have secured... La phase de groupe était jouée en studio, mais avec cette victoire contre FaZe, Vita est assuré de participer au playoff, et donc de jouer sur scène dans la cathédrale de Counter-Strike. Mais il reste un dernier match pour Vitality, qui pourrait les faire passer directement en demi-finale et éviter un quart. Ce dernier match de groupe se joue contre Mouz. La dernière fois que les deux équipes se sont croisées, c'est en finale de la Pro League perdue un peu plus tôt dans l'année. Et Mouz avait ridiculisé Vitality en best of 5, 3-0. Vitality doit prendre sa revanche. Mouz's game so far and Torji's hitting shots. That is a threat to Vitality and a threat to Vitality's fourth round. Spinks can win this. Yeah, the Spinks, it's an absolute cracker. Oh, just quick change. Oh no, Torji loses his head. A quick reaction and an adaptation from Spinks. Zershan does not choose to jump, keeps him guessing, and that could be enough. Oh, Spinks caught out again, but still Zershan does not close. Really? Zai was gonna hit that. Yeah, of course he is! Of course he is! 12-0, folks, please come back! Oh, he's not moving, is he? Yeah, that's a lovely angle to hold. Lovely angle to hold. And there it is. Dust 2 converted. Flash and go. Again. Jimmy. Oh, so blind. What a flashback. They could lose the sight, because Spinks is having his night. It's a triple kill. Triple kill, just a deagle. Just a deagle, Chad. No Kev. Mostly Glocks. How has this gone so wrong? Bullet there too, through the boards. Broland tagged up. Zywoo gets away. And Mezzi on quad, you discussed it. It's hard to clear. And oh, Spinks. They've been kept busy. These smokes, these nades, these spams. And so completely overlooking a very fast flank. It's Spinks to finish the double. Only Torji. What's he got for us? There's very limited options for him. Four CTs to get through. Eight bullets in the magazine. And the first is a clean headshot. But Dami finals. Mouz will start at the first day of play in the Lanx. Vita est en demi-finale de Cologne. Mais c'est là que commence la malédiction d'Apex, logiquement. 9 ans après avoir frôlé du bout des doigts le trophée, Apex est là pour conjurer la malédiction ou la subir de plein fouet. Vitality devait rejouer contre FaZe pour sa demi-finale. Mais So, une équipe portugaise total underdogs, ont réalisé l'exploit de faire chuter Carrigan et ses hommes en quart. C'est le meilleur résultat jamais accompli par une équipe portugaise sur Counter-Strike. Un véritable rêve. Broyé avec une brutalité extrême en demi-finale par les abeilles. It's working for Vitality right now, and it continues in this round. Zywoo holds now, waits for re-aggression. Apex trying to carve the path for Vitality. That is their countdown. Apex rolling back the years. Arastos last hoping at the top site, and it's all Apex. Might not be a monument to Source tenacity, the upsets. The cathedral might just be their tomb as Apex. There is some very confident moves getting made here from Saw to open up this game. They could still get punished for those. Joined over inside of this A-bomb site as Vitality look to move in. 10-9's Rod alive! Like they're playing together, but they've not hit the nail on the head. They're gonna get severed by Spinks. Vitality keep calling their bluff. Oh. Apex swings it wide, and third time's the charm here as they chase him down. The dream turns to ash on dust. While Vitality turn to gold. For over a decade, Apex has found himself.
un massacre. Apex fait une de ses meilleures cartes depuis des années. On est super heureux pour ceux d'être arrivés jusque-là, mais Apex, ça fait 10 ans qu'il essaye. Et je vous le jure, il était déchaîné. Il ira en finale. 5 ans après avoir perdu avec Ziwo et Vitality en finale de Cologne, 9 ans après avoir perdu sa première finale au même endroit, Apex y retourne encore. So manquait d'adversité en demi-finale, et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais rassurez-vous, pour gagner ce tournoi, il va en avoir du péril. Une seule équipe pouvait se retrouver en face à Vitality en finale d'un tournoi de cette importance. C'est l'équipe qui leur a succédé en tant que champion du monde, la meilleure équipe de 2024, champion du Major en titre, Navi. Il faut qu'on parle un peu de Navi. Lui, c'est Simple. Vous le connaissez probablement, c'est lui que Ziwo a détrôné au poste de meilleur joueur du monde. Et avant que Ziwo arrive, on se demandait même si c'était possible de voir un joueur plus fort que lui tellement il était incroyable. Et Navi, c'est lui. Enfin, c'était lui depuis 2016. Mais ça fait un an qu'il a mis sa carrière en pause, décapitant au passage l'équipe de sa superstar. Et pourtant, Navi a reconstruit autour d'une nouvelle génération de joueurs, a réussi à redevenir la meilleure équipe du monde, a gagné un nouveau Major puis l'eSport World Cup. C'est les numéros 1 mondiaux, la meilleure équipe du monde. Et ça sera l'adversaire de Vitality dans cette finale des UM Cologne. En BO5, 5 cartes. Apex, Ziwo, Vitality contre la malédiction de la cathédrale de Counter-Strike. They both depart the site. No kid available, he's behind them both. In there! Oh no! But it's immediate back from Bit. Apex, he pushes the flames, he wants to stand, he wants to deliver! And a double! Finding one on the door, now Zywoo's found himself a double, and look at that! It's a shutdown! Turns the flash, entering the site, and it's wonderful! But he's looking his way, wonderful down! Big one back from Imek, but Geo holds up with his SMG for two! Imek goes for it, Captain Spinks progressing! Na'Vi won overtime, they demand overtime! Flames the same, Zywoo, just a dink, but maybe Messi can hold on to this site, a man advantage, Spinks is coming up the ladder and it pays off! A late flank, up the fence, there's nothing for him here, 50! When you boil it down, cross out on head! We're testing Spinks, Messi, Flames, everyone here ready to contribute. It's gone down, looking very nice now. Alexi B putting up a fight. Finds the headshot onto Apex. They're all ready for you. And down we go. It's 30 rounds. The Vitality come in swinging into this grand final. Nuke is theirs. Two away. Une première carte qui se finit en prolongation, les deux équipes semblent au coude à coude. Mais Vitality s'impose de justesse et enchaîne avec leur choix de carte, Dust 2. On this side, playing the ramp position, holding the angle, the flames obscure, and he misses his charge. Look at them go! Imek swings into him, it's too easy. Flames and Zywoo partner up and clutch up for Vitality. And now it's their control. Trying to flash through, Spinks, can he find him? No, he can't, solid work as this now becomes a 2v2. All to play for. Kit on the AWPer, Messi and Zywoo. France and Britain working together to keep Vitality in this. Messi tested first, lovely headshot, Imek helpless. And it's Messi to secure him. Flames, he's been waiting for this, they're going... Oh no, he fumbles the jump and Bit gets a freebie. Charging his Apex, trying to be the one in, trying to find a way in. But it's Alexi that shows him a way out. Jumping on the spam, only Zywoo remains in an impossible clutch. Brought down to 21, Flames at his feet, he finds headshots. But it's Na'Vi that find 12. Spinks is brave enough to find himself in. Oh, he's done him! Booked! JL! Into the site. He knows Bit's around here somewhere. Now he knows exactly where he is. Knife out charging in. Bit gets Messi. Bit gets both. Bit could have secured it. Can he take Dust 2 single-handedly? Holding his bomb site and delivering the headshot necessary. Only Flames can reignite some hope for Vitality. A 1v2, but time against him. He's a dead man walking. It's Na'Vi. Tying us up one each. Bit was absent on map number one, but he showed up in map number two. Échec, Vitality se fait dominer. Un partout, tout est à refaire. Et il y a trois cartes emblématiques de Counter-Strike. Vitality viennent de perdre la première avec Dust 2 et doit relever la tête sur la deuxième, Mirage. That third piece, he will be the catalyst. Holding the cross, a shot from Apex connects, and now what can you do? JL's only got the AWP. Blur
Thomas as he accepts. There are more rounds to be seen on Mirage. We go to overtime. So much damage onto Apex, and yeah, finished off by Alexi Mezzi. What can you do? The first is clean, but Imma says we need another. Two bullets in the orb. Two targets to find, and the first is divine. He's taken down Bit, and now one more required. Wonderful Nervous up against the Woo, up against the game, and he takes them. Bomb on his back. Players above him and beneath him. What a headshot from Sphinx. That's a leap in the right direction. Down to Sphinx. It has to be wonderful. Redemption on the menu if he can just hit one more shot. For the quad kill, Sphinx will have to make a move. Time against him. Drops away. Wonderful goal. This is his chance. A fake plant, Sphinx. Does he call the bluff? Good! Wonderful! That is redemption. That is overtime. All the time in the world to set yourself up through the flames. A headshot from Bit is unbelievable. Sphinx has him on the cross though. Sphinx has him locked in. Apex managing his angles, ready to be in the fight. Sphinx hasn't finished off his meal and Apex goes down. They both got mollies. How are they doing this? How is this reality? The nade can catch on the cross. It's perfect. Does it find him? Running him down. Sphinx a clutch. It's his for the taking. In the head. I'm not sure. He's got time. Na'Vi 12 in a row, but it ends here, it ends today, it ends in the grand final. Vitality, one map away from their very first trophy of the year. 22-20 en prolongation. En nombre de rounds joués, il a fallu deux fois plus de rounds que le nombre réglementaire pour se départager. Les deux équipes ont eu des balles de cartes, elles ont loupé, ils craquent, se relèvent. Mais à la fin, Vitality passe. 2-1. 13 rounds séparent Apex, Ziwo, Vitality de leur premier titre à Cologne. 13 rounds pour briser 10 ans de malédiction. Et ça sera sur le théâtre ultime de Counter-Strike, Inferno. Hello. That's a mistake, and it's going to get worse unless Bit spins around, finds Sphinx, makes it level, Flames has not left, and Flames delivers! There's nothing for him here, it needs the one tap, can't do it! Hoping to be overlooked. Wonderful has flashes, there's an alley-oop available. Has to choose this, the Flames expose him, he finds just the one! Inside, in Cologne, Flames brings the fight to them! He opened up the site, a triple kill from Flames! Thriving in this grand final environment, but wonderful. There's time. He's got a chance. He knows exactly what's up. He does pull out the fake. Sphinx trying to play the time. Time's on his side. He hits the shot, but it's not enough. Just covered. Sphinx lives on. Sphinx clutches up. First nade's good. JL exposed and Apex charging up to deliver the headshot. Rebound. Oh! He's running right, John. Apex wants this so damn much. The Lang says. One on three. It's right there for the taking. Vitality, they just need to kill him. They just need the one frag. And it will be theirs. This time, the conversation about that MVP. They said, grand finals define you. And Vitality today, they are defined as Intel Extreme Masters, Cologne 2024. It's finally his! It's theirs! Champions! Après la première finale d'Apex, 10 ans d'échec pour le voir enfin titré aux côtés de Ziwo.
Je vais reprendre les mots du coach Sixtas concernant Apex. Dan, je vais prendre un exemple concret, Cologne. Je sens qu'en finale, il a extrêmement envie. Tu vois. Je le sens. Il la veut tellement, Cologne. Il serait prêt à s'arracher les couilles pour la gagner. Et elles sont bien encore en place. Mais le trophée, lui, est bel et bien là, à jamais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Une victoire à Cologne, c'est un événement ultra notable pour l'e-sport français et ça continue de hisser ces deux-là au statut de véritable légende. Si vous voulez nous soutenir, on a ouvert un Tipeee parce qu'on teste d'autres moyens de continuer à financer notre contenu autre que les OP. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et moi, je vous dis à la prochaine.